Bonjour à tous et à toutes, ici Strédy le monteur, et ouais, j'ai encore la voix des Psycho. Aujourd'hui, petit pack opening, petit gameplay, c'est dimanche, c'est chill, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, c'est super important pour le soutien, et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a une joueuse qui a mis un but incroyable. Allez, on est parti. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Les petits potes, on va ouvrir les packs qu'on a en boutique. On a 15 packs en boutique, donc bon, des packs de plein de défis différents. Il y en a un intéressant, c'est le pack méga rare. Il y en a un autre avec un 80 plus 5 fois. Et il y en a un autre normalement 85 plus quelque part, mais je sais pas où. Ouais, je sais plus. Bah, il me semblait, mais apparemment pas. Bon, bref, on va ouvrir les packs en boutique et on va sûrement ouvrir la boutique aussi qui est disponible, histoire de compléter un petit peu ce pack opening parce qu'il n'y a pas grand chose au niveau des packs. Pour l'instant, on est bien hein, en vrai. On fait notre petite équipe. Rivals, bah voilà, pour l'instant, on est invaincu. On est monté en div 6 là, je crois. Donc voilà, toujours invaincu, c'est cool. On a même fait une petite équipe avec des filles plutôt sympathiques là. Et franchement, les filles sur le jeu sont vraiment méga fortes, hein, on va pas se mentir. Allez, pack or. Faites-nous rêver là, eSport, anglais, AG, Marcus Rashford. Putain, ça y est. Ça y est, c'est les trolls qui arrivent, c'est bon. Allez, des bons packs s'il vous plaît. Allemand MD. Sané. Sané c'est bien. Sané on prend. Voilà, c'est bon, je suis parti pour me faire troll H24. Allez, c'est quoi, on va garder pour la fin celui-là, celui que je crois le plus. On va ouvrir les packs qu'il y a en promo ici, pour l'instant. En espérant chatter un petit peu, là c'est vendable, hein, donc éventuellement si on tape un truc vendable, c'est lourd. Hein. Inter français. Pourquoi j'ai pas. Oh, Pavard, c'est juste qu'il a été transféré. Belle stat Pavard aussi, hein, mine de rien, pour un défenseur hein, central. Il peut être éventuellement intéressant. Hein. Il nous reste un seul pack à ouvrir. Ce sera peut-être dans celui-là, hein, la chance éventuellement. Et là, ouais, malheureusement, on a rien eu du tout. Rien eu du tout. Allez. Et c'est même pas animé non plus ici, quoi. Ouais, bon, bah... Bah, pas ouf, quoi. Pas ouf. Non, on n'est pas à plein, on va packer des beaux joueurs, quoi. Mais c'est vrai que, bon, quand tu mets un peu et que t'es... Voilà, t'aurais packé des trucs sympas, quand même, quoi. Et là, on se fait un petit peu soulever, quand même. On va pas se mentir. On aura fait un pack opening, mais on n'aura pas eu de chance, les gars. Tant pis. Vas-y, on va tester comme ça, l'équipe. On va juste se mettre mes meilleurs joueurs en remplaçant. Comme ça, au moins, on aura de quoi faire rentrer 2-3 joueurs. Vas-y, go. Et on doit gagner 3 matchs avec 5 féminines. Donc, ouais, on doit juste gagner 3 matchs en Rivals. Alors on pourrait faire en clash, mais bon, vu qu'il faut recommencer les matchs Rivals pour parce que voilà, on a reçu les récompenses, donc il faudra faire 8 victoires. Autant commencer là avec ces deux défis là, même si on perd c'est pas grave, tu vois, on s'en fout, ça fait des petits points. Moi personnellement, hein, quand des meufs essaient de me prendre de vitesse mes défenseurs, eh ben elles les prennent de vitesse. Moi quand je joue des meufs, elles se font têche physiquement. Ah, heureusement qu'il existe les cheats, quoi. Non, mais c'est fou. Lui, tu vois, il prend la balle, et ben il prend la balle, quoi. C'est ça la différence qu'il y a entre lui et moi. Et moi, Virgil van Dijk, voilà. Puis bon, bah derrière, bah oui, bah bien sûr, bah oui, mais c'est vide. Non, mais je vous jure. C'est grave, quand même. Vraiment, j'ai de la peine à capter le jeu. C'est du bullshit H24, quoi, sérieux. En Rivals, on n'a pas perdu un match. Pourtant, on prend pas de plaisir, ça nous énerve. J'ai pas perdu un match depuis que j'ai joué en Rivals. Enfin, et j'arrive à m'énerver tellement il y a trop de douille. Il est nul son gardien. Il est dessus là. Il
grave ce jeu quand même. On a fait une équipe de bras cassés avec zéro tactique perso. Y a aucune logique. On a une gardienne qui fait 1m2. Enfin, oh là là. Ouais, là on fait des matchs avec lui là pour l'instant. En vrai, défensivement, je le vois pas plus que ça, mais si je le vois pas plus que ça, ça veut dire que ça va, tu vois. Parce que ce que je vois, moi, c'est les erreurs surtout. Hein. Donc, si je me plains pas de lui, ça a l'air d'aller. Après, je le joue pas comme je devrais le jouer, tu vois. Faut que je laisse tout seul gérer les contres de frappe et tout, mais je le prends un peu trop souvent. On a vu que... Oh ouais, bah ouais. Bah oui, bah je parle le duel de la tête face à une meuf. Bah bien évidemment. Bah c'est sûr, bah c'est clair. Bah c'est clair. Bah non, bah voilà. C'est le genre de truc, tu vois, qui va vite te saouler cette année, hein. C'est clair et net. Hein. C'est le genre de truc, tu vois, tu vas dire, bon... Les sports, on dose ou on dose pas, quoi. Même là, tu vois, le coup de physique que je lui mets, c'est scandaleux. Cette défenseur gauche, je sais pas qui c'est quoi son nom? Rolfo, là, elle est super intéressante si vous jouez avec un latéral qui monte parce qu'elle a des statistiques, que ce soit en passe ou en frappe, en participation offensive aussi, vraiment super intéressante. La vérité, elle est... Sur tous les matchs, si vous regardez, c'est à chaque fois, elle est venue faire des différences sur son côté, quoi. Et défensivement, bah, comme tu peux le constater, tu vois, elle est là aussi. Hein. Tu vois, elle se propose, tu vois. C'était dans la logique de faire ça, mais... Enfin, ça, c'est la joueuse qui m'a le plus impressionné, en vrai. Hein. Donc ça rentre, ça, c'est le chat, hein. Dégueulasse toute défense. Chanda. Eh, si elle prend des cartes boostées, frérot, dans la saison, on me laisse tomber. Hein. Quelle connerie. 68 de frappe. Ok, j'attendais la stat pour juger. Ouais, quand ça doit rentrer, ça rentre, hein, c'est tout. Hein. Ah. J'arrive jamais à faire à la base des balles piquées et les meufs. Lui aussi, c'est une meuf qui l'a mise. Hein. Les meufs, elles les mettent bien quand même, les balles piquées. Hein. Ah, Virgile. Contre-leur. Ah, dommage. Ah. Bah oui, bah... Ma défenseur, elle a plus de finition que ton attaquante, hein, c'est clair. la squarate. Bon, la Misa, là, ma gardienne, elle s'est pris un tout gros tac de Van Dijk dans la tronche. Bueno! Par contre, ouais, c'est toujours des scores de fou, hein, les matchs, en vrai. J'ai essayé, hein. Gravenberch à la frappe par rapport à la meuf d'avant, t'as vu ça ou quoi? Voilà, Rival ça m'incule, un peu importe, on fait des défis, on fait des équipes un petit peu zinzin. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que le gameplay en draft il est pas pareil, frère, c'est fou quoi. Vraiment, on a fini en plus objectif, tu vois. Une pierre de coups. Et voilà, magnifique hein. On récupère un pack joueur à 64+, pack 5 joueurs élément 80+. Et 500 points. On prend hein, en vrai. Et la vie est belle. Faites pas trop les fous. Allez, à tout de suite les potes.